J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma maman pour une nouvelle petite vidéo sur cette box. Je vous en avais déjà présenté une. C'est une box créative et ce mois-ci, on va créer un sac. Un petit sac 100% coton. Un sac 100% coton. Voilà, c'est un sac tout simple. Vous pouvez avoir ça aussi chez vous. Ma mère est fatiguée. Du coup, quand elle est fatiguée, elle se met à faire des fous rires. Sauf que moi, je fais des fous rires aussi. Et après, on fait plus rien. Tout va bien. Donc voilà, on va se servir de ce sac. Et on a plusieurs éléments qui nous ont été donnés. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui sont juste super mignons. Que vous pouvez trouver aussi pareil dans votre quotidien. Enfin, ça peut se trouver quoi, dans des papeteries, dans des... Ou sur des marchés. Voilà, ou sur des marchés. Donc là, j'ai un lama. J'ai un petit hello. Comme ça. Hello. Hello. Il veut pas se montrer, il veut pas se focus. Et un arc-en-ciel. Et puis j'ai aussi une petite main qui fait tadam, qui est de l'autre côté. Donc ça, ça va être dans un premier temps à coller sur le sac grâce à un fer à repasser. Et dans un deuxième temps, j'ai ce papier là. Et je ne connaissais pas, je sais même pas ce que c'est comme papier au final. C'est un papier spécial, un petit peu plastique. Et en fait, je peux découper exactement la forme que je veux. Et pareil, je vais pouvoir l'appliquer sur mon sac et passer un coup de fer à repasser et ça va faire partie de mon sac. Donc c'est chouette, ça veut dire que c'est vraiment 100% personnalisable. Et moi, j'ai choisi d'écrire des mots. Bon bah du coup, maman, je te laisse placer les éléments sur le sac pour faire un petit quelque chose de joli. Pourquoi tu le mets en plein milieu? Sur le côté comme ça? Tu vas en mettre un à chaque coin. Peut-être Hello comme ça. Ah ouais, parce que c'est la même couleur. Ça fait joli. Ça en bas. Ouais. Et puis le dévo ici ou là. D'accord. Donc on met plutôt le dévo en plein milieu. Au centre. Ok, bah c'est parti pour le repassage alors. Ma table est en train de se transformer en table à repasser. Maman est en train de tout arranger là. Alors nous avons une serviette en dessous pour pas abîmer. Et un drap par-dessus entre les deux pour pas que ça colle ou pour pas faire d'effet bizarre. Voici, voilà. Super maman. Ta 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 ta. Le drap qui n'est lui-même pas repassé d'ailleurs. Pas la peine de préciser. Non. Alors. Gageons que ça fonctionne. Il faut que je pense appuyer fort. Voilà. J'appuie fort. Merci maman pour toutes ces précisions. C'est important. Cela me semble essentiel. Alors, qu'est-ce qui est essentiel, maman? Ce qui est essentiel, c'est d'appuyer. Maintenant, c'est vrai qu'on inaugure ce magnifique fer. Je ne donnerai pas la marque. Le premier, on est ok, ça tient. On passe au deuxième, c'est-à-dire notre petit arc-en-ciel. Et c'est comme si c'était fait. Nous appuyons également fort sur ce petit arc-en-ciel. Fort décoratif. Et cela va donner un résultat tout à fait charmant. Bien sûr, on n'en doute pas. Ne lésinons pas sur la force. Là t'appuies dessus comme si c'était... Ah, je pense que c'est important. Après, pour les plus jeunes, faites attention parce qu'effectivement, le fer, c'est chaud. Merci maman. Le fer, c'est chaud. Et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux chantent dans le ciel. Merci. Voilà pour le petit intermède musical. Et voilà pour notre petit sac. Tadadam. Super repassage de maman, j'ai bien fait de l'inviter. Alors je vérifie, ouais, c'est vrai que ça colle bien. Ça colle super bien, vous voyez là, ça fait vraiment partie du sac. Donc là, ça a tenu, c'est super. Donc j'ai un petit arc-en-ciel tout en bas ici. Et en haut, le petit hello avec un lama. C'est un lama ou pas? Oui, pour moi c'est un lama. Ou un alpaga. Et maintenant, on passe à l'étape numéro 2, la découpe du papier. Voici le papier. Oui. Alors pour que ça marche bien, il faut penser à imprimer sa typographie à l'envers. C'est-à-dire que là, le dévo, du coup, je l'ai retourné sur Photoshop, mais vous pouvez le retourner sur d'autres logiciels pour qu'il soit à l'envers et pour qu'ensuite, à la découpe, il soit à l'endroit quand on le... quand il sera de dos comme ça. Alors, ça paraît un peu bizarre à expliquer, mais j'espère que je me suis fait comprendre. Donc là, c'est parti pour décalquer mon dévo. Et c'est parti pour dessiner le dévo que j'ai imprimé tout à l'heure. Donc je sais pas trop ce que je fais, je tente. Là je vais déjà essayer de repasser mes lettres, mais j'ai l'impression que comme elles sont à l'envers, je sais pas si ça va être bon ou pas. Voilà, donc là j'ai repassé mes lettres, j'enlève.
Et on voit un petit peu, alors on voit pas trop bien, mais peut-être à la lumière, on voit ici que mon dévo est écrit. Et maintenant, il va falloir que je le découpe. Alors après avoir galéré avec des formes plus ou moins bizarres, donc ça c'était censé être des ailes de chauve-souris, après j'ai essayé de faire une sorte de dévovo qui s'est transformé en chenille, et après j'ai fait tout un tas de formes et j'ai fini par faire des cœurs et des chachaminous. Donc finalement on aura un petit chaton et des petits cœurs. Et voilà ce que ça va donner. Donc là maintenant il va falloir passer à la phase fer à repasser et on va voir si ça rend bien ou pas à la fin. C'est parti. Maman, top modèle! Customisé, impeccable. Et voilà, cette petite vidéo est terminée. J'ai pu offrir un magnifique cadeau à ma maman qui va pouvoir aller à la plage avec et mettre son gilet dans ce sac. En tout cas, si vous avez déjà fait des choses du genre, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou à me dire ce que vous en pensez. Si j'ai fait un beau petit chacha minou, miaou. Et bah oui, j'ai pensé à vous, hein, mes petits abonnés. En tout cas, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.